Bonjour, donc cette vidéo consacrait la partie qui a opposé le grand maître américain Hikaru Nakamura au grand maître norvégien Magnus Carlsen à la dernière ronde du 6e Memorial Tal. Cette partie s'est disputée le 25 novembre 2011 et c'est une partie, on verra, importante entre les deux joueurs qui oppose le meilleur joueur américain Nakamura au numéro 1 mondial Magnus Carlsen. Nakamura donc a les pièces blanches, pardon, il joue des 4, cavier F6, c'est 4, 6, cavier F3, B6. Donc Carlsen joue la défense ouest indienne. Ce qui est assez curieux à ce propos, c'est que dans la conférence de presse qui a suivi la partie, Carlsen a expliqué qu'il avait besoin de gagner et qu'il a choisi donc la défense ouest indienne. Ce qui peut être étonnant parce que la défense ouest-indienne n'est pas vraiment réputée pour être une défense très agressive, très ambitieuse en tout cas, qui donne naturellement des chances pour une noire de gagner. Mais le Norvégien expliquait qu'en tout cas il y avait plus de chances qu'un gambit de la dame. G3 x 6, dame C2, qui est l'autre ligne en principale pour protéger le pion C4 à la place de P3. Qui sont les deux coups les plus joués. Fou B4 échec. Donc ici, Carlsen ne joue pas le coup C5 parce qu'il veut éviter le sacrifice de pion qui suit D5 et qui donne l'initiative au blanc, bonne compensation. Donc il joue de manière plus prudente. Fou D2, fou E7. Un procédé assez classique dans la défense ouest indienne, hein. Le fou perd un temps, mais les blancs vont être obligés de toute manière de redéployer ce fou en D2. Donc, c'est très d'ailleurs Nimzowitsch. Hein. Fou G2, C6, petit roc D5, cavalier E5. Alors ici on joue plutôt B3 qui présente l'avantage de renforcer le pion C4. Éventuellement en essayant, même si c'est plus compliqué dans la configuration, d'installer le fou en C3 et de jouer ensuite cavalier D2 pour renforcer le pion C4. Bon, on joue cavalier E5 d'abord. Cavalier E5, c'est un coup qui est un petit peu qui est moins joué dans cette position. Cavalier F6 D7, donc là également c'est un procédé défensif assez connu dans la défense ouest indienne. On veut éliminer ce cavalier qui est bien placé. Évidemment, c'est le cavalier F6 qu'on place en D7 pour éviter de perdre un pion si on jouait le cavalier B8. Ici, la ligne qui est donnée, c'est l'échange en D7, on échange en D5 et ces trois petits rocs. Mais ici, bon, on a quand même le sentiment que la position est égale et qu'il n'y a pas grand-chose dans la situation. Donc, et Nakamura choisit d'abord d'échanger en D5, c'est un coup qui n'a jamais été vu à haut niveau sur les bases de données. On ne le mentionne d'ailleurs qu'une seule fois. C'était une partie qui avait été jouée par un joueur classé 2600 avec les pièces blanches. C'est prend, fou F4. Là c'est un coup naturel, hein, on renforce le cavalier en E5, mais ça présente l'inconvénient d'échanger des pions, enfin des cavaliers. Ici peut-être cavalier D3 était un peu plus ambitieux, ce cavalier gardant quand même un œil sur E5 et puis pourquoi pas sur la case C5 au moment où les noirs par exemple essaieraient de pousser le pion B6. Après fou F4, Carlsen échange et Nakamura reprend avec le pion D. Alors on va voir l'idée de Nakamura. Mais évidemment, après fou prend E5 petit roc, là les noirs vont jouer cavalier D7, vont finir par repousser le fou. Il n'y a absolument rien dans cette position pour les blancs. Donc, peut-être un coup jouer E4, ça peut être tentant, mais est-ce que E4 sacrifiant la qualité mérite véritablement que ce pion soit poussé? Probablement pas. Après E4, il y a fou prend F1, roi prend F1, cavalier D7. On peut sacrifier le pion D5 pour la qualité et on rend un pion et on va jouer tour C8 et puis on va échanger le fou en E5. Bon, c'est pas très très convaincant. Donc voilà. Et la position devient assez plate. Après D prend E5, Nakamura a une autre idée, petit roc, tour D1,
L'idée, c'est de pouvoir jouer E2, E4, pour attaquer le pion D5, ici, hein, pousser le pion en E4, pour attaquer le pion D5, et ouvrir la diagonale au fou. Ici, Carlsen répond de manière assez naturelle par fou B7. Mais pourtant, les blancs pourraient jouer E4. Mais évidemment, ici, on n'échange pas, on joue D4. Et les noirs se créent un pion passé et enferment en plus le fou en G2. Et les pions doublés deviennent des obstacles. Et là, il faut faire très attention. Par exemple, sur cavalier D2, il y a G5 qui gagne une pièce. Donc ici, si les blancs veulent continuer leur développement, ils doivent sans doute jouer un coup comme cavalier A3 ou se prémunir de du coup G7, G5. Mais en tout cas, là, D4 crée un pion passé pour les noirs qui peut être soutenu par cavalier C6 et du coup, eh bien, c'est plutôt les noirs qui ont une bonne position. Donc E4 ne marche pas. Nakamura joue son cavalier en D2. Cavalier C6 et là cavalier F3, c'est un coup qui va provoquer des difficultés chez Nakamura, un coup qui paraît bien naturel, mais en réalité Nakamura ne va absolument pas anticiper toutes les conséquences de la suite. Il a très certainement négligé ce coup, soit il ne l'a pas vu, soit il n'a pas perçu les effets. Le meilleur coup, a priori, en tout cas c'est ce que propose Carlsen, c'est H4, parce qu'après cavalier F3, il y a G5, un coup qui force le gain d'un pion en chassant les deux pièces blanches qui défendent le pion E5, contre un affaiblissement du roque, certes. Fou E3, G4, cavalier D4, cavalier prend E5, fou H6, tour E8, mais ici, les blancs n'ont pas, pour le moment, la possibilité d'exploiter l'affaiblissement du roc. La position est ouverte. Et fermée, pardon. Alors, E4 envisage d'ouvrir la position. Mais Carlsen joue fou C5 avec l'idée. Le fou, donc, va libérer la diagonale de la dame des 8 H4 qui va pouvoir jouer dame F6, donc à la fois en protégeant le cavalier E5 et en attaquant le fou H6. Et aussi en jouant tour C8. Dame F6 ici, et tour C8, qui place la tour sur une colonne ouverte avec la menace de d'utiliser l'attaque à découvert du fou C5. Donc quelques menaces tactiques qui sont suffisamment fortes pour qu'elles renversent évidemment la situation en faveur des noirs. Donc ici, Carlsen joue cavalier B3. Alors pourquoi il ne prend pas E5 par exemple, avec l'idée on échange en D5, dame F5, et c'est vrai que là il y a du contre-jeu avec la position du roi noir qui devient plus fragile. Bon. Cependant, il y a un petit coup intermédiaire, c'est dame F6 qui menace le fou en H6, qui se replie, tour C8, avec donc la menace fou prend D4, ce qui fait que les blancs sont obligés de parer. Et par exemple, après dame E4, eh bien, on récupère le pion qu'on a gagné. Ici, dame F4, fou prend, cavalier C4. Et les noirs ont l'avantage avec deux menaces. Et aussi ce 5 et cavalier prend B2, qui fait que la position tourne en leur faveur. Voilà donc la réfutation de prendre D5 donc par dame F6. Donc Nakamura, après fou C5, joue cavalier B3. Tour C8 d'abord, pas dame F6. Peut-être parce que fou F4 tout de suite semblait un petit peu meilleur. Bon, si on joue tour C8, on peut-être échanger en C5 dans la position où on peut jouer éventuellement un autre coup. On peut-être jouer au prend D5. Qui peut être intéressant également. Donc là, Carlsen préfère tour C8, donc avec des menaces de découverte. Et ici, Nakamura prend C5, alors il aurait pu prendre en D5, Carlsen pense que c'était meilleur, avec l'idée c'est fou prend D5, fou
fou prend, E prend, dame F5, tour C6, fou F4, tour F6, dame G5, échec, tour G6, on échange, on donne échec en F3, roi G2, tour prend D8. Et Carlsen dit, les noirs ont un petit avantage. C'est vrai, ils ont un pion de plus, mais quand même la réalisation n'est pas si évidente que ça. C'est vrai qu'ils ont un bon cavalier en F3, mais il peut être éliminé par cavalier D2. Le pion D5 reste isolé. Donc et les blancs peuvent pourquoi pas jouer cavalier prend C5, affaiblir la structure de pion des noirs et empêcher au final la valorisation du pion supplémentaire. Donc cavalier prend C5, c'est pas forcément un coup très recommandable dans la mesure où là les blancs ne pourront plus éliminer le cavalier F3 qui est quand même très très bien placé. Par contre, on peut-être jouer dame F6. C'est en tout cas un coup qui est proposé par les logiciels informatiques. Attaque le fou, fou F4, fou F8. Donc là, retrait d'attaque à découvert, dame E2, cavalier F3 échec. Fou prend, dame prend. On ne joue pas ici E5 parce qu'il y a dame G4 échec. Donc on reprend, dame G4 échec, dame G6. Et si on échange, les blancs ont effectivement récupéré leur pion, mais les noirs ont quand même quelques atouts qui leur sont favorables. La paire de fous, on est dans une position qui est relativement ouverte. La faiblesse également de l'aile dame, vous voyez le pion B2 par exemple qui peut être une cible, et la case C2 qui peut être envahie par les noirs. Donc ça peut évidemment donner des raisons d'espérer dans cette situation, mais les blancs peuvent évidemment résister. Quoi qu'il en soit, Nakamura préfère échanger le fou, tour prend C5, et il joue dame A4. Alors c'est un coup qui après fou C6, dame D4 perd du temps, puisque après dame prend A7, tour A5. Mais en fait, après dame D4, Nakamura a certainement calculé la suite que joue également Magnus Carlsen, qui rentre dans une finale le fou de couleur opposée. Dame F6, fou F4, D prend, fou prend E4, cavalier F3 échec, la prise est forcée en échangeant D4, et fou prend F3. Et effectivement, ici on arrive dans une finale où les noirs conservent leur pion supplémentaire, mais il y a les fous de couleur opposée qui, on le sait, sont un facteur de nullité assez important. Il reste néanmoins qu'il y a encore les deux tours, et que les deux paires de tours peuvent justement réduire ce facteur de nullité. Nakamura joue tour D7, mais ici, Carlsen joue tour D5, force l'échange des tours. En effet, sur tour prend A7, eh bien, il y a tour D8 avec la menace de mat en D1, qui est rédhibitoire. Donc, voilà. Et si la tour s'en va de toute façon de la colonne D, c'est pareil. Donc ici, Nakamura échange. Alors, ceci dit, je vous disais, les tours peuvent être un facteur justement limitant le facteur des fous de couleur opposée. Mais c'est là où Carlsen va démontrer sa très grande compréhension des finales, c'est qu'il accepte l'échange des tours. Et après tour prend D5, on serait tenté de jouer fou prend D5, mais après roi F1, on va voir que là la situation des blancs s'améliore parce que les noirs ont un pion de plus, mais il n'y a pas de pion passé. Or, après tour prend D5, Carlsen va jouer E prend D5. C'est un coup qui, en termes de structure de pion, évidemment, n'est pas forcément très bon, puisqu'il crée un pion isolé. Sauf que ce pion est passé, qui peut devenir dangereux, et qu'il ouvre aussi la colonne E à la tour, donc une colonne d'invasion, et qu'il va empêcher également le roi blanc de revenir vers le centre, et donc de bloquer le pion. Donc c'est ça qui va faire la différence. Là, les menaces, c'est de jouer D4 et de jouer tour E2. Donc Nakamura joue fou E3, tour E4, tour E1, D4, fou D2, tour prend, fou prend. Alors, ici, nous sommes au 33e coup de la partie. On est dans une position qui est très intéressante et qui peut-être, d'ailleurs, fera partie des positions de référence dans les futurs manuels qui traiteront
des finales de foot couleur opposée. Là, donc, on a dit que les noirs ont un pion de plus, le pion D, qu'il est passé, qu'il est avancé. Sauf que là, la défense des blancs consiste à bloquer. Mais pour bloquer, le fou seul ne suffit pas. Il faut que ce soit le roi qui bloque. Le roi, c'est le meilleur des bloqueurs, avec le cavalier. Mais ici, le roi blanc est pour le moment encore dans son aile roi. Vous noterez également qu'il ne peut pas sortir facilement, parce qu'il y a le pion G4, ici, qui arrive à bloquer les trois pions blancs. Vous voyez, si les pions avancent, il va avoir G prend H3, ou alors d'ailleurs, F3 ou H3. Le pion n'est pas obligé d'ailleurs de prendre, il peut fixer donc ses pions. Il y a un pion qui en fixe 3. Et ça, ça va gêner le redéploiement du roi. La seule case où le roi peut arriver vers le centre, c'est F1, ici. Eh bien, ce que va jouer Carlsen, c'est fou E2. Fou E2 empêche le roi blanc de sortir. Empêche le roi blanc de sortir, et donc, il va falloir trouver une solution. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après fou D2, par exemple, si les blancs se contentent d'attente en jouant fou D2, roi G7, eh bien là, les noirs vont pouvoir avancer tranquillement leur roi vers E4, D3, C2, soutenir le pion, qui va ensuite avancer jusque dame, ou bien, si les noirs le souhaitent, éventuellement capturer les pions de l'aile dame. Et le roi blanc ne peut absolument rien faire si on reste en état là. Il peut pas avancer, il peut pas aller au-delà de G2. Donc ce qui veut dire que fou E2 bloque la sortie naturelle du roi, et qu'il n'y a qu'une seule possibilité, bah c'est de passer par la colonne F, d'ouvrir la colonne F en offrant un pion par F4 ou F3 d'ailleurs. Prise en passant, fou F2, D3, fou E1, roi G7, fou F2, roi F6, roi E3. Donc là, Nakamura a réussi à bloquer la progression des deux pions. Ce qui lui facilite la tâche aussi, c'est que les deux pions passés des noirs sont proches. Ils peuvent être à la fois surveillés par le roi E3 et le fou en D2. Donc ce qui veut dire que si les noirs ne font rien de particulier, eh bien les blancs pourront annuler. Alors là, il faut que les noirs trouvent un plan, trouvent une idée pour arriver à forcer ce déblocage. Comment forcer le déblocage? Eh bien, il faut trouver une autre cible. Une autre cible qui rendra la défense encore plus difficile. Les blancs protègent deux faiblesses, deux dangers, et bien il faut créer un troisième danger qui submergera les blancs. C'est ce qu'on appelle le principe des trois faiblesses. Et bien quelle est cette faiblesse? Et bien c'est d'aller en G2. Et donc Carlsen joue roi F5. L'idée c'est d'aller en G2. Ici, en G2, le roi pourra viser évidemment le pion H2, mais aussi pousser F3, F2. Imaginez que le roi noir soit en G2 et que la position reste ainsi. Eh bien, les blancs, de toute façon, ne pourront pas jouer, seront en zugzwang avec leurs deux pièces. C'est-à-dire que le fou devra rester en E1 ou en F2 pour surveiller l'avancée des pions. Du pion F2 et du pion D2, et le roi blanc va devoir en faire autant. Sauf qu'à un moment donné, lorsque les blancs auront épuisé tous leurs coups de pion, ils seront obligés de jouer une de leurs deux pièces. Et là, par exemple, si les blancs jouent fou F2, on va pousser D3, D2, et on va gagner le fou, et on va faire promotion du pion F3. Voilà donc la cible visée par Magnus Carlsen, c'est cette fameuse troisième faiblesse. Troisième force pour les noirs qui serait d'installer le roi en G2. D'où la réplique de Nakamura qui empêche le roi noir d'aller en G4, H2, H3. Alors là, il peut y avoir un petit débat, une petite discussion sur H4. Est-ce que H4 pouvait sauver les blancs en disant voilà, finalement, on n'y arrive pas. Ben voyons, roi G4. Roi F2, fou D1,
Alors roi F2, ça empêche d'aller en G2. Fou D2, fou C2, fou F4, fou B1, A3, B5, fou D2, fou C2, fou E3, A6, fou D2, fou B3, fou F4, fou D5, on redéploie le fou, fou D2, fou E4, roi E3, roi F5. Donc là, Carlsen, qui a donné cette variante, estime que les noirs gagnent. Pourquoi ? Eh bien parce que les noirs vont attaquer ensuite à l'aile dame, forcer les affaiblissements de l'aile dame. Peut-être il faudra jouer d'ailleurs B2, B3, par exemple. Hein. Si les noirs, par exemple, veulent installer leur roi en C4, si le roi va en C4, ici, il pourra aller en B3, il pourra aller en C2, et là il avance. Et le problème ici, c'est à nouveau la surcharge contre le roi qui va soutenir D2, pendant qu'il faudra aussi surveiller F2. Donc là, pour empêcher ça, il faudrait que les blancs puissent empêcher par B2, B3. Mais ici, on pourrait peut-être replier le fou à un moment donné pour jouer fou D5. Et là, après évidemment avoir pris les bonnes mesures, c'est-à-dire la protection du pion F3, les blancs seront obligés d'aller en B4, et ensuite la case C4 sera à nouveau affaiblie. Et là donc, on reviendra dans ce genre de finale, qui fait que, sans doute, on peut penser, effectivement, tout comme Carlsen d'ailleurs, que les noirs sont gagnants. Ça prend du temps, mais ça devrait aller. Donc, H4, à mon avis, ne suffit pas pour sauver la partie. D'ailleurs, Carlsen a dit, là nous sommes au 39e coup, mais que dès le 23e coup, dès la position dame F6, qui est celle-là, il dit, ma partie est gagnante. H5. Fou D2, fou F1. Donc ici, Carlsen propose tout simplement l'échange d'un de ses pions contre le pion H3. Là, Nakamura joue fou E1. Joue fou E1. Un coup qui a été critiqué, mais en disant, voilà, il faut jouer H4. Mais après roi G4, on va arriver dans les mêmes positions que dans la variante tout à l'heure, on avait dit H4 au lieu de H3. Et je ne crois pas que ça change grand-chose. Mais fou E1 peut-être simplifie, entre guillemets, la tâche... La tâche des noirs. Quoique, en apparence, après fou prend H3, roi prend D3, il semble que, quand même, les blancs aient réussi à obtenir un petit quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé le pion passé D. Ils n'ont plus qu'un pion passé à surveiller, c'est le pion F3. Ils ont toujours deux pions de moins, bien évidemment. Mais là, le pion passé peut être mieux surveillé. Le pion le plus dangereux, c'était le pion le plus éloigné. Fou F1, roi E3, roi G4, roi F2, fou B5. Carlsen redéploie son fou, lui donne de l'espace pour pouvoir attaquer aussi d'autres cibles. Fou C3, roi C6, fou E5, B5, fou B8, A6, fou C7. Donc Nakamura essaye de bloquer la position autant que possible, mais là Carlsen va jouer F5, F4. F5, F4, oui, donc il joue d'abord F5, et il va ensuite jouer F4. F4 qui va pouvoir menacer, en fait, de forcer la création d'un pion passé, d'un autre pion passé qui serait le pion H. D'accord ? Et on va voir dans les différentes lignes que cette menace est très très forte et qu'il faut faire attention. Alors ici, Nakamura a joué B3, un coup qui a été critiqué, mais bon, je vois pas trop quand même... bon, on peut jouer fou D6, qui va revenir à l'idée de la partie, où on peut jouer A3, mais là on peut jouer fou D7, fou D6, F4, on pousse, et là imaginez par exemple G prend F4, et bien il y a fou F5, ce petit coup bloque le pion F, ce qui fait que le fou ne peut plus revenir en défense, donc il faut trouver une autre solution, fou C5, roi prend F4, roi G1, il faut surveiller le pion H, H4, fou F2, H3, roi H2, roi E4, roi G3, et là fou G4, fait la différence, le fou se propose en sacrifice, mais en sachant qu'on ne peut pas le capturer, puisqu'après roi prend G4,
il y a H2. Et en G4, en fait, le fou protège les deux pions, ce qui fait que les noirs peuvent soit aller en C2, soit jouer roi E2 pour créer une position de Zugzwang mettre les noirs dans une position où ils ne peuvent plus tenir la position. On va voir par exemple un fou G1, roi D3. Si on joue roi prend G4, on joue F2 et suivi de H2, ou H2 suivi de F2. Si on joue roi F2, fou E2, roi G1, fou E6, voyez, B4, et là on va jouer H2, ou F2 d'ailleurs, c'est comme vous voulez. On va éliminer, on va dévier soit le roi, soit le fou, et on va pouvoir pousser F2. Vous voyez qu'il y avait deux pièces qui défendaient F2. On peut le faire également avec H2. On peut jouer F3, F2 également. Mais on va dire qu'H2, ça gagne, ça fait promotion d'âme, alors que dans l'autre cas, F2, voilà, ça gagne que le fou, alors qu'ici, vous voyez que ça fait promotion d'âme. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux pièces qui protègent F2. S'il y en a une qui s'en va, on peut pousser le pion. Et bien, avec H2, on dévie. Bon, on joue roi prend H2, et puis évidemment on arrive à F2 et on finit quand même par gagner le fou, hein, bien évidemment. Donc B3 est considéré comme un mauvais coup, je suis pas convaincu que ce soit le coup qui fait basculer la partie. Fou D5, fou D6, alors sur roi E3, F4 échec, fou prend F4, et là c'est le coup thématique qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Que se passe-t-il si après F4 il y a la prise du fou? Et bien il y a H4 qui fait la différence, et ici sur G.H4 il y a F2 qui gagne le fou, alors que si le roi n'était pas en E3, sur G.F4 il y aurait roi prend F4. Donc fou prend D6, F4, voyez, donc sur fou prend F4, H4, fou D6, H3, roi G1, et là ici on fait la promotion par H2 et F2. Là, il faut prendre, on pousse, F5 forcé, donc roi prend F5, roi E3, roi G4, roi F2, H3. Roi E3, fou E4, là ici, encore une petite finesse, comme on dit tout à l'heure, le fou se propose, mais le roi ne peut pas le capturer puisqu'il y aurait F3, F2. A noter quand même que dans cette position, il y avait un gain qui était très thématique, qui va illustrer le principe des trois faiblesses, voyez, hein, que ce qui fait que les noirs gagnent, malgré les fous de couleur opposées, c'est que ils ne peuvent pas tout défendre en même temps. Et donc là, on pouvait admirer le motif de la surcharge par un sacrifice de fou contre le pion, mais on crée un troisième pion passé. Roi F2, A4, on pousse. Roi G1, roi F5. Sur roi F2, vous voyez, A3, et la surcharge du fou, qui ne peut plus défendre en même temps le pion A3 et le pion H2, et étant donné que si par exemple il y a roi G1, il y a A2, hein, qui fait promotion d'âme. Donc fou prend A3, H2, et vous voyez que les deux pions ici sont très bien placés pour empêcher le roi de revenir. Donc si on joue fou A3, roi E4, fou C5, roi D3, et là ici cette position et ses couleurs illustrent le principe des deux faiblesses, des trois faiblesses. Voilà, donc j'ai montré les trois cases faibles, on peut dire les trois faiblesses des blancs. Le roi blanc doit surveiller les deux pions, donc les cases vertes et jaunes, et le fou doit surveiller les cases rouges et bleues. Ça veut dire qu'il faut défendre trois faiblesses avec deux pièces. Et bien ici il y a un motif de surcharge. Les noirs peuvent rapidement aller en Zugzwang de telle sorte que les blancs ne puissent pas défendre en même temps. Par exemple, fou D6, roi E2, fou C5, A3, et fou D4, A2. Et là encore, il y aura surcharge avec donc une promotion de la dame. Donc fou prend B3, c'était meilleur. En tout cas, ça gagnait tout de suite. Carlsen, évidemment, est complètement gagnant. Roi F2,
Là on s'est dit, est-ce que aussi on peut pas jouer à 3, à 5, fou c7, b4, et bien on rejoint également des suites similaires, fou d6, fou c2, hein, en sachant qu'on peut pas prendre en b4, puisqu'il y a h2, alors si on ramène le roi, et bien on joue fou prend b3, et sur fou prend b4, et on revient à h2, sur roi g1, donc fou d5, et sur fou prend b4, il y a f2 échec, qui gagne, ou H2 échec qui gagne. Voilà, donc le pion B qui est là ne peut pas être pris. Carlsen après roi F2 joue fou B1, bah, là aussi donc on pouvait jouer B4, hein, revenant d'ailleurs sur les mêmes suites qu'on a vu à l'instant. Hein, vous voyez, fou prend A2. La seule différence c'est que c'est pas un pion B qui est dangereux, c'est un pion A, mais ça ne change absolument rien. A3, fou A2, B4, fou F7. Et dans cette position, au 58e coup, eh bien Nakamura abandonne. Alors, là, il faut quand même expliquer pourquoi Nakamura abandonne. Alors, c'est vrai que la position est perdue. Mais on va voir quelques suites. Comment les Noirs peuvent-ils gagner dans cette position? Eh bien, là, le plan, c'est évidemment d'aller... d'envoyer le roi à l'aile-dame, capturer le pion A et créer donc une position de Zugzwang qui fera que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura trop de faiblesses pour les blancs et c'est fini. Et ces blancs, les blancs ne pourront pas les défendre. Alors on va voir. Fou C7, fou H5, coup important car le fou va protéger le pion F3 quand le roi va quitter la case G4. Fou D6, roi F5. Alors on peut voir un tas de lignes, d'accord, par exemple roi G3, fou G4, fou C5, roi E4, roi H2, roi D3, roi G1, roi E2, fou D4, et là F2 échec gagne. Voilà. On peut aussi continuer à rester avec le fou qui ne bouge pas, le roi blanc ne bouge pas et c'est le fou qui va ne pas changer. Voilà, bon. Roi G1, bon, si on joue fou D6, roi B3, roi E3, fou G4, roi F2, roi prend A3, roi G1, roi B3, fou F8. Là, que se passe-t-il? Eh bien, là, ensuite, on va aller en C2, avec quand même la menace d'aller en D2 et en E2. Fou D6, roi D3, roi F2, roi C3. Là, on arrive, roi G1, roi C4, on arrive dans une situation de Zugzwang, où si le fou quitte la case D6, par exemple, pour aller en C5, bon, on peut jouer éventuellement A5, on peut jouer sur fou C5. Déjà, on peut jouer A5. Bien évidemment, qui plie tout de suite la chose. Si on joue roi F2, ben on va jouer H2, roi prend, fou prend et roi prend B4. Et là, ben, on arrive avec 3 pions de plus. Et ici, eh bien, le gain ne pose aucun problème. Puisque en plus, le roi blanc ne pourra pas revenir défendre à l'aile dame. Les deux pions vont avancer et le pion F va rester, donc ça ne posera pas de souci. On peut aussi dire, voilà, on joue roi G1, roi B3, fou F4, roi prend A3, fou D6, roi B3, fou E7, roi C4, fou D6, et là fou G4, même situation de Zugzwang. Hein, sur, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, sur fou C5, roi D3, roi F2, H2, et ça fait promotion d'âme. Et sur fou B6, et bien là, on va jouer carrément fou E2. Voilà, et ici, il va y avoir Zugzwang, puisque il y aura H2, échec, suivi de F2. Voilà donc pourquoi, après fou F7, Nakamura préférait abandonner. Parce que sa finale était totalement perdue. Donc, voilà pour cette partie. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, c'est évidemment la finale. Hein. C'est la finale qui est la plus intéressante. Donc les fous de couleurs opposées ne sont pas forcément un facteur de nullité. Mais il faut bien respecter un principe. C'est que les blancs ne peuvent. Enfin, le camp en infériorité ne peut annuler que s'il arrive à créer un blocage. Et que pour
éviter ce genre de choses, les noirs doivent appliquer un principe qui s'appelle le principe des trois faiblesses dans les finales avec une seule pièce, c'est-à-dire que un camp peut défendre deux faiblesses en même temps, mais il ne peut pas en défendre une troisième. Donc, c'est souvent ce qui fait la différence dans les finales. Et en l'occurrence ici, c'est en créant cette troisième faiblesse, soit d'un côté, soit de l'autre, que Carlsen a pu faire la décision dans cette finale. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette finale. Et j'espère vous retrouver pour l'analyse d'une autre partie d'échecs. Merci.